Ah là 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 là. Bon, attendez. Me revoilà. Eh ben si tu peux jouer. Allez, hop. Et retourne et s'il peut jouer, il peut jouer, il peut jouer. C'est une erreur. Ok, bon. Le fond planning. Ok, re tout le monde, et vous le donnez avec ses de retour, évidemment, pour la suite de cette aventure à cet après-midi hebdomadaire. On va essayer de faire le catch, l'hebdo catch de la semaine. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé cette semaine dans l'univers de la WWE, de la AEW et d'autres univers. On va faire dans l'ordre pour que vous puissiez vous retrouver, vous ne soyez pas trop perdus pour ceux qui ne connaissent pas trop le catch. Alors, over les catch, est-ce que c'est celui-là? Oui, je dois citer celui-là, je crois. Yep. Je vais remettre ma caméra, hop. La caméra du Dan Alex, où elle est? C'est celle-ci. Voilà. Ah oui, j'étais à droite, évidemment. Donc re tout le monde, re du love et des bisous. Je vais mettre l'OST pour le temps que je parle, comme ça vous avez une OST. OST. En attendant que je présente tout ça, vous avez du son, un arrière-plan et tout. Vous me dites si vous entendez bien ou pas le son de l'OST. N'hésitez pas à me le dire. Je vais mettre moi aussi pour que je l'entende, comme ça on est tous à l'entendre. Voilà, je l'entends très très bien, ça fait plaisir. Je n'ai pas entendu l'ST. Ah, tu l'entends pas? Attends, je vais monter un peu. Là, tu l'entends? Tu l'entends? C'est histoire de un petit peu combler les vides hein, quand je parle et tout. Il n'y avait pas de son. Ah, ok. Ah oui, c'est bon là, du coup, nickel. Ok. Bon, du coup, les amis, cette fois-ci, alors déjà, le follow, je vais le modifier. Mon côté parce que là ça prend toute la barre donc follow hop tac je vais le mettre en plus petit pour que ça rentre dans la barre entière. Comment ça il n'y a que ma voix et pas de son? Vous entendez un son? Vous avez pas d'OST là? Y a que toi ça ou y a quelqu'un d'autre qui entend pas le son l'OST? C'est bizarre. Je sais pas si y a peut-être que toi non c'est bizarre. Moi j'entends très bien le son hein. Il ressort dans le live donc c'est bizarre. Il marquait qu'il est ressorti sur le live. Attends. Attends 2 secondes. Pas de soucis. Je vais regarder ça. Ouais, attends. Je vais faire ça. Je vais regarder ça sur l'autre PC. C'est compliqué. Hop. Bah, il est où le truc pour écouter les vidéos sur ce PC-là? C'est de l'autre côté. Oui, ça. Alors, attends, je vais dire si j'ai entendu ça. Je vais dire ça. Oula. C'est un gros bordel, j'ai mis autant de trucs sur mon bureau de ma vie pour faire un live. Oui, écouteur. Est-ce que je m'entends le ST? Ah, on l'entend pas. Sauf ta voix. Ah bah attendez, j'ai peut-être une idée pourquoi. Merci James Sachs d'avoir donné l'info. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est ta raison. T'as raison, on n'entend pas l'OST. Je sais pourquoi, hein, c'est parce que j'ai pas dû mettre le bon paramètre audio avancé. Je vais mettre le paramètre audio, monitoring des sorties. Hop. Peut-être que là c'est bon. Là tu entends bien le sac, c'est bon? C'est bon, tu as le son là de ton côté ou pas du tout? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est validé? Re ma chère Sandra, et re Sandra, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure après les boîtes. Là on est actuellement dans deux choses. Oui là c'est bon, merci James Sachs. Ok, tout est ok, le son vous l'entendez bien, c'est bon, c'est validé. Quitte à valider. Évidemment. Bon. Avant de évidemment faire l'émission, je vais regarder qui a gagné le sub offert. Sandra n'a pas participé. Hélas, tu aurais pu participer, Sandra. Donc, on va faire le pic. On va voir qui a gagné. Hein, du coup, on va faire le petit pic. Alors, qui a gagné le sub offert? Il y avait 4 participants. Il y avait James Sachs, Lyman Team, Diciman et Maximum. Donc, qui a gagné le sub offert, d'après vous? Qui a gagné le sub offert? Eh ben, le sub offert. De quoi je parlais du sub offert, j'avais mis une heure pour que les gens puissent rejoindre la commande pour rejoindre le sub offert. Et donc du coup, ben, du coup j'ai laissé le temps aux gens de participer. Et hélas, 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 j'étais à la douche. Ah oui, d'accord. Et qui a gagné d'après vous? Eh ben, attention, le winner is la Yeman Team qui vient de gagner son sub offert. Incroyable, elle. Pourquoi j'ai dit... Ah oui, parce que mon téléphone qui est là, il y a des grésillements. Eh ben GG, je sais pas si tu es toujours là en tout cas, mais je vais t'offrir le sub dans quelques instants, le temps que je retrouve mes repères. Eh ben GG, ben voilà, comme quoi participer permet de gagner. Eh ben écoute, offrir un abonnement, yes, à la Yeman Team, c'est offert. Mais non! Mais si! Mais si, c'est gagné! Yeah! C'est gagné, c'est gagné. Donc tu as gagné ton sub offert, incroyable. Les emotes du Don reviennent.
entre tes mains et je t'offre ce sub dans l'instant où je dois aussi mettre les jetons mafieux à Aziziman d'ailleurs. Voilà. Donc je vais faire le sub à mon cher Red Ivan Team. Yes, c'est bon, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'alerte, c'est bon. GG, mais oui, GG. GG. Ok. Maintenant, on a fait le tirage, c'est gagné. Donc tu as été tenteur évidemment de ce sub offert, c'est gros GG à toi. Merci beaucoup mon cher. Ah bah. Merci la chance. La chance fait tout. Hein. Moi j'ai juste suivi la chance et j'ai offert. Hein. Moi je suis pas victoire de cette histoire, hein. C'est la chance. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au catch? On va commencer par parler de WWE Raw de ce lundi. Donc lundi, nous étions le. Alors on est 23, 22, 21, 20, 18. Lundi 18, il s'est passé quoi? À Raw. Donc attention, vu qu'on va à Raw, je vais mettre le logo de Raw évidemment. Parmi vous, vous aurez le logo d'Euro. Hop, et vous parlez de ce qui s'est passé cette semaine. Donc, Aro. Alors, parce que du coup, là, c'est un gros bazar pour. Voilà, c'est bon, là, c'est facile comme ça, voilà. Hop, nous sommes à Aro cette semaine. Hop, à la David à Bureau. Il s'est passé pas mal de choses. Hop. Alors, nous avons eu notre grande championne féminine d'Euro, Charlotte Flair. Qui est du coup venu pour un petit peu discuter avec les fans qui étaient à Raw parce qu'elle est passée à SmackDown, voilà, parce qu'ils ne savaient pas. Donc GG à Charlotte Flair qui est enfin à SmackDown aujourd'hui. Et du coup, Bianca Belair est venue la provoquer, voilà. Ça, alors pour Raw, j'ai pas d'image, hein. C'est pour les gros events que j'ai des images, pour les petits events, j'ai pas mis d'image, c'est que du blabla. Les gros events, j'ai des images, vous inquiétez pas. Donc cette semaine, donc du coup, Charlotte Flair. Évidemment, était à Raw pour parler de son dernier match là-bas, mais elle n'a pas fait au final. Ou alors j'ai peut-être oublié. Non, elle n'a pas fait en début de semaine, je crois. Je ne sais plus. Ensuite, nous avons eu la demi-finale Crunchywell, Xavier Wood, qui a affronté notre cher Jinder Mahal. Du coup, oh non, pas Charlotte Flair, MDR. Charlotte Flair, elle a du pif du coup, exactement, ouais. Exactement. Heureux ma chère petite fleur, heureux. Heureux à toi. Oui, Charlotte Flair, elle a passé à SmackDown. Elle est à SmackDown, ne vous inquiétez pas, on en reparlera après. Du coup, nous avons eu la demi-finale du King in the Ring, donc entre Xavier Wood et Jinder Mahal. Un match assez intense qui a duré quelques minutes, mais la victoire est revenue à notre cher Xavier Wood, qui est en finale à Crunchywell pour affronter Finn Balor, voilà, qui a été vainqueur. Récemment. Donc du coup, à Crunchywell, nous avons Finn Balor contre Xavier Wood. Ok. Jinder Mahal, je le déteste et Rom petit tonnerre. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Hey, ma chérie. Eh oui, oui. Ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Austin Theory, qui vient de la NXT 2.0, de son côté. Lui, du coup, il a affronté Jeff Hardy, parce que la semaine dernière, et en fait, la semaine dernière, il est venu. Il a demandé une photo à Jeff Hardy, il a pris son téléphone et dit « Moi, je veux faire un snap avec toi et tout. » Et au moment où il prend la photo, il a fait son finisher sur Jeff Hardy. Et Jeff Hardy était à terre et du coup, il a fait sa photo, mais par terre, voilà. Donc, il a provoqué Jeff Hardy. Donc, ils ont eu un match tous les deux et Justin Theory, il a gagné très vite le match, hélas. Donc, Jeff Hardy, évidemment, il n'a pas eu les gloires qu'il méritait à Raw. Ensuite, nous avons eu... un match en duo, donc Biggie et Drew McIntyre qui ont fait équipe pour affronter Ziggler, Dolph Ziggler évidemment, et Robert Roode. Et oui, Robert Roode et Dolph Ziggler qui étaient là, ils ont affronté le duo qui vont s'affronter d'ailleurs à Crunchywell, c'est-à-dire Biggie et McIntyre qui s'affrontent pour le titre à Crunchywell. Et bien du coup, la victoire revient à personne parce qu'en fait. Il y a eu une confrontation à un moment donné et du coup le match s'est pas terminé. Hélas, le match n'est pas terminé, donc ça s'est terminé sur aucun victorieux. Ni Biggie, ni McIntyre, ni Ziggler, ni Rod, personne n'a gagné. Ah non, je suis pas content que l'autre s'en ait pris mon chéri Jeff Hardy. Ouais, Jeff Hardy il a pris cher par Austin Theory cette semaine. Tu disais quoi mon petit démon d'amour? J'ai pas entendu. J'espère que Jeff va le dégommer. Ben super et toi, ah, c'est cool. Voilà. Ensuite, nous avons eu Mansour, concurrent à Mustafa Ali, parce qu'ils vont s'affronter en Arabie Saoudite à Crunchywell évidemment, pour un match
forcément en faveur de Mansour qui vient d'Arabie Saoudite évidemment. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben Mansour a gagné. Il a gagné, mais il n'a pas affronté Mustafa Ali, il a affronté Cédric Alexander. Cédric Alexander du hors business hein, évidemment, avec qui fait équipe avec Shelton Benjamin. Et ben Mansour a gagné. Mansour a gagné forcément, il faut le rendre très fort pour Crunchywell, donc il a gagné. Puis Mustafa Ali était pas content, il a dit non, moi je suis pas content. Voilà. Mon petit démon. Ah, alors Finn Balor il a affronté Xavier Woods pour être en finale de Crunchywell, pour être le King of the Ring. Le problème c'est qu'il a perdu contre Xavier Woods, Finn Balor. Finn Balor, non pas Finn Balor, n'importe quoi. Non non pas Finn Balor, Finn Balor il est en finale contre Xavier Woods à Crunchywell. On reviendra juste après. On reviendra juste après sur le sujet. Mais t'inquiète pas, pour l'instant Finn Balor il a rien fait cette semaine. Il était pas là. Lui il est à SmackDown, il est pas à Raw, donc pour l'instant il était pas là. Ensuite, on arrive à la fin de Raw. RK Bro, Randy Orton et Matt Riddle ont affronté, évidemment, vous en doutez, une équipe assez forte en ce moment du côté de Raw, les Street Profiles, la côte ouest des États-Unis évidemment, représente, évidemment, ils ont affronté Street Profile qui s'appelle évidemment Angelo Dawkins et Angelo Dawkins et j'ai perdu l'autre nom. En tout cas, ils ont fait Angelo Dawkins et son coéquipier, Montez Ford, voilà. Et puis, évidemment, RK Bro, ils ont gagné. Hein. Ah non, personne n'a gagné. Parce qu'en fait, Omos et Jay Styles sont arrivés et ont juste frappé tout le monde, en fait. Les Street Profiles, les RK Bro, tout le monde a pris cher, voilà. On touche pas Jeff et Rain, sinon c'est moi qui débarque pour défoncer les têtes. Ah, c'est cool ça. Ah, mon amoureux Randy Orton. Mais Randy Orton, il s'est fait démolir par Omos. Voilà. Chez les filles, demi-finale pour la couronne. Des femmes on the ring, des queens on the ring. C'était Doudrop. Après, je trouve des photos la prochaine fois pour mettre chaque personne. Ça sera animé au niveau des photos pour les petits shows. Et ben Doudrop, elle a affronté du coup Shayna Baszler et puis elle a gagné. Évidemment, Doudrop a perdu. Shayna Baszler a gagné. Au moins, c'est-il fait un Omos. Un Omos. Exactement. En fait, Omos, pour t'expliquer, je sais pas si tu connais un petit peu Aurel. En fait, Omos, c'est un catcheur qui fait genre plus de 2 mètres. Et genre, c'est un des catcheurs les plus grands actuellement à la WWE, à la World Wrestling Entertainment. Et forcément, il est imposant. Donc, tous les catcheurs, ils n'arrivent pas à faire en face à lui. Il est très très fort. Mais Omos, il a un de ses talents en vrai. Je crois tellement Sandra, bah oui. Mais oui, elle va goumer tout le monde, Sandra, je la connais, hein, évidemment. Tiens, d'ailleurs, Sandra, pensez à Sandra, là. Attends. Ensuite, nous avons eu Main Event, Finn Balor, contre Mace. Et bah, Finn Balor, il était là, t'avais raison, en fait, ma petite fleur, il a battu Mace en très peu de temps. Donc, GG à Finn Balor, hein, victoire incroyable. Hop. Je connais pas du tout sur les boîtes, t'inquiète pas, j'essaie d'écrire un minimum pour décrire pour ceux qui connaissaient pas. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent pas le catch, n'hésitez pas, j'ai fait récemment une émission pour présenter le catch. Eh oui, pour expliquer. Yes, mon démon d'amour, c'est le meilleur, il a gagné, effectivement. On va parler de Crunchywell juste après. Je fais juste un truc avant, excusez-moi. Hop, un petit truc qui me fait plaisir, évidemment. Hop, hein. Alors, on va passer à Crunchywell, les amis. On va passer à Crunchywell. Et là j'ai des images, donc là ça va être un peu plus facile pour vous de voir à quoi ressemblent les catcheurs, etc. Crunchywell, c'était de la nuit de mercredi à jeudi, donc c'était cette semaine, donc c'était avant-hier, et on a eu de ces beaux matchs. On a eu de très très beaux matchs. Le premier match qu'on a eu à Crunchywell, c'était Edge contre Seth Ricky Rollins. Alors attendez, j'ai réduit l'image parce que là c'est trop grand, en même temps j'ai agrandi mon logo de la WWE. Hop, je vous réduis ça, vous allez voir, ça va aller très très vite. Hop, donc nous avons eu Edge contre Seth Rollins, pour ceux qui ne connaissent pas, deux bons catcheurs évidemment. Voilà, c'était le 21 octobre, donc c'était avant-hier. Donc, un match en cage magnifique. Ce sont mes chouchous, alors attention aux autres. Non, j'en ai plein de chouchous, ouais, chacun ses chouchous. Et partagez, hein. Ici on partage l'amour. Hein. Donc du coup, premier match, Edge contre Seth Rollins. Oui, Edge il est revenu il y a longtemps et puis là il a fait vraiment son retour officiel en janvier 2021 au deuxième Royal Rumble où il a fait son retour. Donc là il fait beaucoup de matchs et là il affronte beaucoup Seth Rollins ces derniers temps. Qui a gagné ce match? Alors attendez, Winner je vais le mettre plus haut hein, parce que Winner il est trop bas. Alors, qui a gagné ce match?
Ce match qui a été dominé par Edge, et eh ben il a été remporté par Edge, les amis. Edge, winner de ce match. Il a utilisé des chaises, il a utilisé une échelle sur Rollins, il a utilisé énormément de choses. Il y a Rollins, il a utilisé une chaîne autour de son pied pour écraser sa tête et tout, ça passe pas mal de choses. Mais au final, victoire de Edge, évidemment, qui devait finir son dernier combat contre cette Rollins avant de passer à autre chose, évidemment. Donc voilà, ça se finit sur les bonnes augures, on va dire. Voilà, ça c'est bien fini. De ce côté-là, rien à dire. Ensuite, deuxième match de Crown Jewel. Donc victoire de Edge pour le premier match, hein, vous êtes au courant du coup. Deuxième match de Crown Jewel, c'était Mansour, le favori d'Arabie Saoudite, évidemment, il est natif de là-bas. Et bien Mansour, lui, de son côté, il a affronté Mustafa Ali, comme prévu, voilà. Mustafa Ali contre Mansour, très beau match. Franchement, de mon côté, je trouvais que c'était un très très beau match. Regardez-le, il était sympathique. Pour Mansour, ça m'a surpris parce que Mansour, il n'est pas haut niveau par rapport à d'autres catcheurs. Mustafa Ali, qui catchait depuis plus longtemps que Mansour également, il avait catché à 205 live. Il a catché à la Raw, à SmackDown, il a été chef d'une armée avec Mace et T-Bar, avec, voilà, avec la Révolution, je sais plus trop le nom, je crois que c'est la Révolution. Mais Mustafa Ali récemment il faisait pas grand chose, et puis ils l'ont mis face à Mansour, voilà. Du coup qui est pakistanais, hein, Mustafa Ali, donc ça faisait la Pakistan contre l'Arabie Saoudite. Et la victoire revient forcément à celui qui était favori, avec un très beau match, hein, je ne peux pas tout vous raconter parce qu'il y avait trop de choses. Revient à Mansour, évidemment, Mansour qui gagne pour l'Arabie Saoudite, c'est son moment. Une fois par an, il y a Crown Jewel, il faut forcément qu'à Crown Jewel, il fasse gagner Mansour pour que le public soit en mode « Ouais, Mansour a gagné, voilà !» Et après, il y a eu un judoka qui est arrivé, que je ne connaissais pas du tout, qui vient d'Arabie Saoudite, et qui est venu provoquer Mustafa Ali. Et Mustafa Ali, je peux vous dire, il a chié dans son froc, hein. C'était marrant, c'est ce petit passage là où il y a le judoka qui arrive, qui provoque Mustafa Ali et qui repart. Enfin, un coup de pression, c'était marrant. Les publics ils étaient tout contents, ils le connaissaient, moi je le connaissais pas du tout. C'était marrant. Troisième match, les RK Bro, on a parlé juste avant à Raw qu'ils ont gagné contre les Street Profile. Ils étaient là les RK Bro. Et ils ont affronté Omos et Jay Style. Oh mon dieu, quel combat! C'était un chouette combat. Franchement. Mais ça pourrait être mieux parce que forcément, il n'y a pas eu ce qu'on voulait à 100%. C'est-à-dire que Randy Orton face à un RKO à Omos, la montagne prend RKO par Randy Orton. Je pense que là, tout le monde est en mode Mais non, il l'a fait. Non, il l'a pas fait. Il n'a pas fait d'RKO. Mais Riddle fait le tomber sur AJ Styles à la fin. Et victoire des RK Bro qui reste champion. Il reste champion évidemment par équipe à Raw. Donc ils continuent leur progression à l'heure actuelle du côté de Raw. Tout se passe bien. Parfait pour eux. Prochain match. C'était Zelina Vega qui était en finale et qui affrontait Doudrop. Ok, ben j'ai sauté une ligne. Ouais non, Zelina Vega et Doudrop, ils sont affrontés que à Crown Jewel, ok. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre Zelina Vega et Doudrop? En plus, j'aime pas d'image, c'est marrant. Zelina Vega et Doudrop, victoire de Zelina Vega qui est la nouvelle Queen of the Ring. Ah oui, il n'y avait pas d'image parce que ça s'est pas mis à jour entre temps. Ok. Victoire de Zelina Vega qui a gagné la couronne. C'est la nouvelle reine de la WWE. Félicitations à elle. On lui offrira des bonbons à la rentrée scolaire. Ensuite, nous avons eu Goldberg. Évidemment, il y avait Goldberg qui était là pour affronter Bobby Lashley. Un Goldberg, un ancien catcheur, hein, vraiment très très ancien catcheur. Il était là pour affronter Bobby Lashley parce que. Si vous ne savez pas, il y a 2 mois, ou 3 mois de ça, je ne sais plus, Goldberg a fait une prise de finition sur le fils. Bobby Lashley a fait une prise de finition sur le fils de Goldberg, et Goldberg n'était pas content. Goldberg n'était pas content, et donc du coup, il est venu pour détruire Bobby Lashley. Mais ce qui s'est passé, évidemment, eh ben, c'est que Goldberg l'a détruit, et a gagné ce match qui a duré pas longtemps, je trouvais. Voilà. Oh oui, il date, lui, oui. Oui, il date, Goldberg. C'est vraiment un ancien des années 2000. Hein. Donc Goldberg versus Bobby Lashley, ça s'est fini victorieux pour Goldberg qui nous a fait vraiment un très 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 bon match, hein, Bobby Lashley. Après Goldberg il est un peu vieux donc je peux pas juger son catch, il est très ancien, il est très, mais il reste encore énergique, hein, il y a encore de l'énergie et tout Goldberg, hein, voilà. Ensuite, Baylor contre Xavier Wood, qui a gagné d'après vous? J'ai pas l'image évidemment parce que c'est le King of the Ring.
Qui, d'après vous, a gagné entre Finn Balor et Xavier Woods pour être le King on the Ring, le roi, tout simplement le roi de la WWE? Qui a gagné? Est-ce que c'est Finn Balor qui a la couronne ou est-ce que c'est Xavier Woods? Mon démon d'amour, Xavier Woods. Ok, il y a deux personnes. Alors là, Sandra dit Yuna, Yuna dit Finn Balor et Sandra dit Xavier Woods. Et bien, figurez que notre nouveau King on the Ring est Xavier Woods des New Day. Félicitations à lui d'ailleurs, hein, il a fait un match moyen contre Finn Balor. Je sais que ma petite fleur va peut-être pas être contente, mais Finn Balor n'a pas fait ce que j'attendais de lui. Il a vraiment été décevant sur le match. Il est très bon, il a été décevant sur le coup et je m'attendais de mieux de Finn Balor qui est vraiment... Il n'est pas en démon, déjà, c'est pas en... il n'était pas en démon, il était en Finn Balor. Et qui aurait pu faire mieux, quoi. Voilà. Mais de rien, ma chère Sandra, de rien, au grand plaisir. Oh non, sérieux, je suis énervé, ça y est. Oh non, mais non, mais non. T'inquiète pas, il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a des bonnes choses. On arrive petit à petit à la fin. Donc là, nous avons eu Drew McIntyre contre Big E. Drew McIntyre contre Big E. Ça, c'était un match de ceinture pour le championnat de Raw. Qui a gagné d'après vous? Est-ce que Big E est champion? Toujours champion? Ou est-ce que c'est le nouveau champion Drew McIntyre qui était champion pendant très longtemps, pendant l'année 2020? C'était lui le champion jusqu'à 2021 d'ailleurs. Il a battu tout le monde. Il était champion. Et voilà, t'es énervé, Yuna. Mais oui, Mathilde Fleur, désolé. Désolé, Mathilde Fleur. Qui a gagné? Big E? McIntyre? Petit pari? Un petit Drew McIntyre pour toi, Yuna, qui est champion maintenant, qui a pris la ceinture à Big E? Je crois que Drew McIntyre, il devait être transféré à SmackDown hier soir. Donc, est-ce qu'entre-temps, il a été transféré à SmackDown? Bonne question. Toi, tu dis Big E, il est resté champion, ils le mettent en haut de l'affiche, il reste toujours champion, d'après toi? Eh bien, le victorieux, c'est Big E. Hop. C'était Big E qui a gagné, qui a conservé sa ceinture, son titre à Raw. Il est toujours champion, et McIntyre, il est passé à SmackDown. On en reparlera juste après. Voilà, on fera un petit débrief en fin de présentation. Ensuite, il reste plus de 3 matchs à présenter. On va aller dans le kick-off, vite fait. Le kick-off, il y avait qui dans le kick-off? Il y avait les Ouzo. Les Ouzo qui étaient là dans le kick-off. Ils ont affronté leur business, Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Shelton Benjamin et Alexander qui sont de nouveau aux côtés de Bobby Lashley d'ailleurs, pour l'aider. Oui, on touche pas à mon démon d'amour, hein, non mais oh, bah oui, attention, hein. Attention, les New Day sont forts quand même, grave. Grave, les New Day et les Ouzo sont forts aussi. Hein. Après, les nouveaux, ils les ont surcotés, mais ils sont assez forts quand même de base. Et bien, la victoire revient aux Ouzo qui ont juste battu dans le kick-off Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Donc, victoire des Ouzo. Incroyable. Bon, j'avoue que je disais McIntyre pour les New Day, ok, d'accord. Oh, mon chéri d'amour, Jay, Jimmy, Ouzo. Ah. J'aime bien moi. Enfin, j'aime bien son le trio avec Roman Reigns, qu'on va parler juste après d'ailleurs, parce que c'est le champion du monde de SmackDown. On va parler juste après. Donc la victoire évidemment des Ouzo. Voilà, c'est bien comme il fallait, nickel. Ensuite, là, ça va faire plaisir à quelqu'un ici. Et vous allez voir de qui je parle. Becky Lynch contre Bianca Belair contre Sasha Banks. Becky Lynch, qui est championne actuellement de SmackDown, contre Bianca Belair, contre Sasha Banks. Et très belle affiche. Là, on a vraiment le top du roster féminin, quoi. Là, on peut pas faire mieux. On a vraiment le top du roster féminin qui était là, à Crunchywell. Ma Becky, les gars, ils sont forts quand même. Yunalia. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Yunalia, c'est ma petite fleur. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Becky. Est-ce que Becky est restée championne d'après toi, ma chère fleur? Est-ce que d'après vous, les amis, Becky est toujours championne de SmackDown? Est-ce que Bianca Belair lui a pris le titre de nouveau? Ou est-ce que Sasha Banks est la nouvelle championne féminine de SmackDown après un long match? J'ai duré pas mal de temps, hein, je trouvais mon côté. Eh bien, la personne qui a gagné, c'était. C'est ma préférée dans les filles, oui. Et restez championne. Victoire de... Attention. La victoire était pour... Attendez, je vais... Hop. C'était... Non, la victoire. La victoire. Au secours. Il déverrouille tout sauf la victoire. Voilà, c'est bien. La victoire était, effectivement, je suis désolé, ma chère petite fleur. Pour Becky Lynch, qui est restée championne. Eh oui, Becky Lynch reste championne de SmackDown. GG à elle, à Becky Lynch, hein. Qui est toujours leader de SmackDown, mais ça a changé entre temps, on en reparlera. N'est pas inquiétude, je vous expliquerai, il n'y a pas à avoir peur.
Ouf, tu m'as fait peur là. C'est le but. Main event, dernier match de la soirée. Match très attendu à Crunchyroll. Et pourtant, pas aussi ouf que ça. Oh, méchant, t'as voulu l'énerver encore. Hein. Mais non, c'est bon. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Et Paul Heyman aux côtés de Roman Reigns. Ce match était attendu parce que Lesnar était pour nous beaucoup celui qui allait détrôner Roman Reigns. Effectivement. Oh, The Dog, évidemment. Qui a gagné? Est-ce que Lesnar a enfin pris le titre en Marines qui est invaincu depuis son retour? Roman Reigns, il a fait son retour l'année dernière, au milieu d'année. Et les champions depuis l'année dernière, au milieu d'année, il n'a jamais été battu. Il est imbattable. Est-ce que quelqu'un a battu Roman Reigns? Est-ce que Lesnar lui a pris enfin le titre? Le favori, je pense, pour avoir le titre était Lesnar de tous les catcheurs qui sont passés juste avant. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Oh, il a vieilli Brock Lesnar. Hein. Mais grave. Mais grave. Non, c'est Roman Reigns qui est resté champion d'après toi? Tu penses que c'est Roman Reigns qui est champion toujours? Très bien. Eh bien écoutez, le vainqueur de ce match pour la ceinture, c'était Roman Reigns qui est toujours champion et qui n'a pas perdu contre Brock Lesnar malgré l'intervention de Paul Heyman qui a donné la ceinture de champion au milieu du ring pendant qu'ils étaient tous les deux à terre. D'un coup, la ceinture arrive au milieu, Paul Heyman qui l'a donné, on pense à Brock Lesnar, on a un doute pour aider Brock Lesnar. Et ben, Roman Reigns n'était pas content, il a pris la ceinture et puis ben, il l'a mis un coup de finisher avec la ceinture à Brock Lesnar et puis il a gagné. Voilà, victoire de Roman Reigns, toujours champion, à Crunchyroll, on a fini avec Crunchyroll les amis. Avant de passer à SmackDown, nous allons aller sur Rampage, à l'AEW, et nous allons voir trois matchs importants de cette semaine. Et on finit avec SmackDown et avec les captures de la semaine, comme ça on aura fait le tour de la faux catch de la semaine. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses cette semaine à part la WWE. On va passer à l'AEW, à Rampage. Il y a eu trois matchs importants à Rampage cette semaine. Nous avons eu premier match pour le tournament pour être favori à affronter le champion du monde de la AEW, Orange Cassidy qui nous a affronté. Powerhouse Bobs, et oui, un très belle affiche pour ceux qui sont fans de la AEW. Roman champion, ouf, mon amoureux est resté champion, mais oui. D'ailleurs. Donc, ça a commencé le tournoi avec Orange Cassidy et Powerhouse Bobs. Il y a pas mal de matchs. Il y a Daniel Bryan qui est dans l'affiche. Il y a qui d'autre? Il y a Daniel Bryan, il y a Orange Cassidy, évidemment. Il y a peut-être Hangman Page, je ne sais pas. Enfin, il y a des grosses affiches, quoi. Il y a des bons catcheurs qui sont là. Tout au long de ce tournoi, on en reparlera la semaine prochaine, non, la semaine encore d'après, évidemment. Ensuite, le winner de ce match, ah oui, il y a eu winner, évidemment. Et ben, écoutez, la personne qui a gagné, c'était Orange Cassidy. C'est Orange Cassidy qui est winner de ce match, voilà, donc GG Orange Cassidy. Hein. N'hésitez pas à regarder le catcher, il est vraiment très talentueux, les amis, hein. N'hésitez pas si vous connaissez pas. Très très bon. Powerhouse Hobbs, il est très très fort. D'ailleurs, il a affronté récemment CM Punk. CM Punk l'a affronté. Le vrai champion, c'est Jesus Burger. Ah bah ouais, bah tiens, Burger direct à One Piece, la référence. Mon cher Demsax. Heureux, mon cher Demsax, du coup. Heureux. Alors là, les amis, mon cœur va battre à 100 à l'heure. Parce que la femme de mon cœur a fait un match. La femme de mon cœur a fait un match à Rampage. C'était Anna Jay, la femme de mon cœur, évidemment, contre Britt Baker. Donc, nous avons eu un match entre Britt Baker et la femme de mon cœur, Anna Jay, à Rampage. L'affiche était horrible. La championne du monde de la AEW contre la femme de mon cœur. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. J'aurais bien voulu qu'elle gagne la ceinture, évidemment, parce que c'est un match de ceinture, comme vous le voyez ici. Et hélas, qui a gagné? Qui a gagné? Eh ben, qui a gagné? Eh ben, c'est Britt Baker. Il a battu la femme de mon cœur. Pour notre mariage, on veut peut-être inviter, nous. Bah, il n'y aura pas de mariage, évidemment. Mais bon. Britt Baker reste championne de l'AEW féminin. Elle a battu, évidemment, Anna Jay. Veillant à une soumission. Voilà quand c'est fini le match, par soumission. Donc, GG à Britt Baker, hein, qui est vraiment très, très, très haut niveau en ce moment à l'AEW. Elle est favorite. Elle est entourée de Jamie Hayter aussi. Il y avait une autre diva très forte. Et puis en ce moment, elle est en train de détruire tous les thrusters. Ruby Soho, alias Ruby Riot. En ce moment, elle a affronté Red Velvet aussi. Encore plus loin, elle va affronter Hikaru Shida. Enfin voilà, elle a fait beaucoup de matchs, en tout cas, notre chère
Dr. Britt Baker, elle reste championne. Et le main event de ce soir, là, à Rampage, c'était... Vous connaissez peut-être ces deux catcheurs, ou peut-être pas, parce qu'ils étaient à la WWE tous les deux, anciennement catcheurs de la WWE. C'est Andrade. Andrade, pas Cien Almas, évidemment, mais El Idolo, contre Pac, anciennement Adam Neville, à la WWE, qui se sont affrontés dans le main event de la WWE. Voilà, donc magnifique match. Belle affiche vraiment, deux catcheurs encore jeunes, je trouve, hein, en termes de catch en plus, donc ils ont encore beaucoup à prouver. Et du coup, le vainqueur de ce match, c'était évidemment. Alors, en vrai, j'ai pas personne qui a gagné. C'était. Ah, en fait, personne n'a gagné. Il n'y a pas eu de vainqueur, les amis. Il n'y a pas eu de vainqueur. C'est pour ça que j'ai pas eu l'info. Il n'y avait pas de vainqueur. Andrade, Charlotte Flair, oui, bisous, bisous. C'est des bisous, bisous, tous les deux sont en couple. Hein. Charles Flair, Andrade et El Idolo, ils sont en couple. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Je pensais que c'était toi, la femme de son cœur, car t'es une catcheuse, toi. Ah là là, Dim Sax. Celui de gauche, je l'ai déjà vu. Ouais, c'est Adam Neville, anciennement Adam Neville, il s'appelle X-Pac maintenant à la AEW. Il est très très fort, il était à la NXT, il a catché quelques années à la WWE, il était à l'époque de l'Enzo Amore, tout ça. Vous savez, il y avait Enzo Amore, il y avait même... comment ça s'appelle la montagne là, qui était avec Enzo Amore, là, avec ses cheveux longs j'ai plus son nom. Mais lui, il était fort hein, aussi. Voilà. Lui, je le kiffais. Ah. Andrade, tu le kiffais, il est bien Andrade. Il est stylé, en plus c'est un Mexicain. Il a du talent. Il a du talent. On part maintenant sur SmackDown. Je vais vous dire ça de suite, ce qui s'est passé à SmackDown. On va pas aller dans le détail, on va aller dans les grosses lignes parce que j'ai encore les catcheurs à vous présenter cette semaine et les infos dans le monde et tout ça. Donc du coup, à la WWE SmackDown, il y avait quoi de beau cette semaine? Il y avait... Hop, je vais mettre le logo ici au milieu, voilà, comme ça c'est qu'on a SmackDown. Roman Reigns qui est venu évidemment parler de Brock Lesnar, mais Brock Lesnar, Big Cass, merci ma chère Fleur, merci à toi du love et des bisous, merci pour l'info, c'était Big Cass, effectivement c'était Big Cass. Brock Lesnar est arrivé les amis, et il a genre tout détruit, en fait il était énervé, il a tout détruit, il a détruit Roman Reigns, les Uso, tout le roster de SmackDown qui sont venus s'interposer à lui, il l'a détruit, tout le monde. Puis Adam Pearce il est venu dire Brock Lesnar tu es renvoyé de la WWE. Et Brock Lesnar, il a dit quoi? Il lui a tiré les oreilles, il lui a fait une prise, il a dit quoi? Je suis quoi? Et il n'a plus rien dit après. Voilà. Et Brock Lesnar, il a rigolé, voilà. Donc ça s'est fini en drame, cette histoire. Ensuite, Drew McIntyre, il a proposé un challenge. Il arrive à SmackDown, donc du coup, pour son arrivée, il a proposé un challenge. Il affronte n'importe qui. C'est Sami Zayn qui est arrivé. Sami Zayn, il a demandé à Drew McIntyre de le défier. Et très bon combat. Même si Sami Zayn il est pas au niveau de McIntyre, il est plus bas je trouve. Mais évidemment victoire de Drew McIntyre hein, qui a détruit Sami Zayn à la fin. Même si c'était qu'un challenge, c'était un match en simple, voilà, il n'y avait pas de ceinture, il y avait un enjeu. Tout le monde était là pour se casser la gueule. C'était le but de ce match. Moi j'ai l'impression d'être la femme de cœur de tous les streamers où je vais. Calmos, arrêtez de vouloir me caser comme ça. Pas chez moi en tout cas. Ensuite, il y avait Mansour contre Mustafa Ali, la revanche. Ben Mansour il a encore gagné. Après le Crown Jewel, il a encore gagné à SmackDown. Donc victoire de Mansour. Rien de plus à dire dessus. Voilà. Juste une victoire de Mansour. Le début de Itro, le quadrio, une équipe de quadrio magnifique, superbe, qui vient d'arriver en fait à la WWE récemment. Et bien, ils sont arrivés à SmackDown. Et deux des catcheurs de la Itro, je connais pas leur nom pour l'instant, ils ont pas donné leur nom. Je crois que c'était Isaiah Scott et un autre catcheur, je suis pas sûr. Contre deux catcheurs lambda qui étaient là pour juste s'amuser. Voilà, bonjour, on vient affronter les catcheurs d'aujourd'hui. Moi, du coup, Itro ont forcément gagné, puisque quand on amène des lambda ou des figurants, ils gagnent pas forcément. Hein. Ça gagne jamais forcément, c'est juste là pour le fun. Itro ont gagné leur premier match, en tout cas à SmackDown. Baron Corbin, qu'on appelle maintenant Happy Corbin, et qui est le Happy Corbin, était là. Et il nous a fait un match contre Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental. Un match intéressant, avec une victoire d'ailleurs de King Corbin, si je ne me trompe pas. Oui, victoire de King Corbin, c'est magnifique. Vraiment, King Corbin qui nous a fait un match assez intéressant. Même si je ne suis pas fan de King Corbin, bah, il était là, il a démoli Nakamura.
Bah encore heureux que c'était avec tous les streamers que chez les filles. tu as vu que chez les filles, ouais, ok, je vous laisse parler entre vous. Ensuite, nous avons eu Charlotte et Becky Lynch qui se sont réunis parce que Charlotte passe à SmackDown et Becky Lynch passe à Raw. Ils se sont échangés les ceintures, donc Becky Lynch passe à Raw avec la ceinture de Raw et Charlotte est la championne de SmackDown avec la ceinture de SmackDown. Sauf que il s'est un petit peu provoqué entre eux parce que dans même pas un mois, il y a Survivor Series et Survivor Series c'est champion contre champion. Donc du coup les deux champions, ils se sont déjà provoqués là hier à SmackDown. Donc c'était un bon début. Et c'est Sasha Banks qui a débarqué, qui a fait le bordel et tout. Non, ils changent tous de nom quand je fais pour les reconnaître, moi. Pas tous, hein. Daniel Bryan s'appelle Bryan Danielson. Hein. Ça va, un CM Punk s'appelle CM Punk. Et Adam Cole, il s'appelle Adam Cole. Je change pas tous de nom, hein, ma chère Sandra. T'inquiète. Voilà. Et du coup, à la fin, Sasha Banks, elle a démoli Charlotte. C'était la bagarre entre elles. Et voilà, ça s'est terminé comme ça, SmackDown. Hop, pic de route. Terminé. Maintenant, on va parler un petit peu de... On va parler un petit peu des infos de la semaine un peu partout dans le catch. Première chose, les amis. Première chose cette semaine. Nous avons. Nous avons eu à la New Japan un tournoi qui s'appelle le tournoi Climax 31. C'est passé, voilà, ça va être deux, trois, une seule image, je vous dois vous montrer, hein, c'est tout. C'était à la New Japan, cette semaine, il y avait eu un tournoi et c'était la finale. Et donc la finale, c'était... c'est le catcheur. C'était lui. Donc lui qui s'appelle... alors attendez, hop, j'ai réglé son image. Donc c'était lui, voilà, le catcheur qui est juste là. Celui-ci. Qui s'appelle, je vais vous dire le nom parce que je ne l'ai pas reconnu, c'est... Kazushida Okada, qui est promis du classement Climax, pour l'instant d'ailleurs, égalité avec quelqu'un d'autre, avec Jeff Cobb. Donc lui, il est promis du classement de la New Japan, donc pour l'instant, c'est un très bon score pour lui. Et le deuxième, je vous montre, il s'appelle Jeff Cobbs, c'est lui, c'est le deuxième, c'est le premier du classement aussi, ex aequo avec notre cher, voilà, lui là, il Azukashida, j'ai plus le nom, attendez, c'est quoi Kazushida, voilà. Et lui, c'est Jeff Cobb, du coup, c'est les deux favoris pour l'instant de Climax 31. Ils sont premier et premier. Voilà. Donc, voici nos deux premiers du Climax 31. Voilà, New Japan. Suivez la New Japan si ça vous intéresse, vous aurez les infos supplémentaires dessus. Maintenant, on va parler, du coup, les amis, de trois divas et catcheurs de la semaine. Voilà. Donc, vous allez en connaître la plupart d'entre eux, vous allez les connaître ou pas du tout. Ou je vous ferai découvrir des catcheurs et des divas. Je vais vous dire 2-3 lignes dessus, hein. Je connais pas grand chose sur tout le monde et voilà. Premièrement, on va parler de la NXT 2.0 avec le favori pour être champion de la NXT à la WWE. C'est Bron Breakker qui est arrivé récemment, qui est arrivé il y a quelques semaines à la WWE et qui est en challenge pour affronter Tommaso Ciampa pour la ceinture Halloween, le soir d'Halloween. Donc n'hésitez pas. Bron Breakker qui est favori et qui affronte Tommaso Ciampa pour la ceinture prochainement. Donc voilà le premier catcheur que je vais vous parler. Il est arrivé récemment à la WWE. En fait, il a fait un tournoi cette année, il y a 2-3 mois. Et il a gagné le tournoi, il était premier. Et du coup, bah, ça lui a donné des privilèges pour affronter Tommaso Ciampa, tout simplement. Donc c'est un nouveau catcheur dans le roster, un nouveau arrivé dans le monde du catch. Donc n'hésitez pas à le suivre de près, il est très très fort. Il a du talent. Et en plus, il fait des belles prises. Vraiment, vous n'allez pas être déçu, quoi. Donc Bron Breakker à suivre de très près pour tout le monde. C'est le premier catcheur dont je voulais vous parler. On va parler maintenant attendez non. Mon logo. En deuxième catcheur, on va parler. C'est un retraité, vous le connaissez presque tous. C'était un catcheur qui est actuellement en couple avec Natalia d'ailleurs. Tyson Kidd, les amis. Tyson Kidd. Qui est là, donc Tyson Kidd, qui faisait équipe avec Teddy Hart Smith, si je ne me trompe pas, il y a très longtemps, il y a 10 ans de ça, il y a 11 ans de ça, même vous direz, les anciens catch connaissent bien Tyson Kidd. C'était l'époque où il y avait les ceintures par équipe, qui venaient à peine d'arriver, mais pour un seul roster. J'ai cru qu'il avait arrêté, il est en retraite, il est à la retraite, là je vous parle d'un catcheur retraité du coup. Donc là, Tyson Kidd, mari de Natalia, retraité. Il a fait des matchs par équipe, n'hésitez pas à aller le voir. Il a fait une équipe avec Cesaro, je crois aussi.
il y a quelques années. Donc n'hésitez pas à aller voir en tout cas Tyson Kidd, vraiment. Il était très très bon à son époque. C'est pas le meilleur catcheur, loin de là, mais il avait beaucoup de compétences. C'est ce qui me semblait. Ils sont tous en couple entre eux. Ouais, voilà. Presque tous en couple, exactement. Et je veux parler d'une diva pour finir. Et alors là, c'est une découverte. Je pense que personne ne la connaît, à moins que vraiment vous avez une bonne culture de catch. Je vais vous présenter la diva qui fait le plus peur au monde, d'ailleurs. Parce qu'elle est vraiment. Elle fait vraiment peur avec son maquillage. Mais elle est vraiment, vraiment stylée, je trouve. Elle a un style. Vous allez voir. C'est Abaddon. C'est Abaddon, les amis, qui est à AEW Dark en ce moment. Elle fait beaucoup de matchs là-bas. Donc Abaddon, qui est une diva qui a commencé il y a quelques temps le catch à la AEW. Et qui actuellement perd rarement ses matchs. Elle fait vraiment des très bons matchs. J'aimerais pas voir les disputes de coupe de catcheurs. Ouais, bah t'imagines. Est-ce que tu cours mettre le titre en jeu, mon chéri? Voilà, des trucs comme ça. Tu connais pas, bah Abaddon, voilà, elle est arrivée à la AEW, elle fait beaucoup de matchs à Dark, pour l'instant elle a pas beaucoup perdu de matchs, je crois qu'elle a un très très bon ratio de victoires. J'ai jamais envie d'aller regarder si elle a un très bon ratio d'ailleurs, je vais sur le site de la AEW. En tout cas Abaddon, c'est une personne qui arrive vraiment, elle est en mode flippant, c'est son but, c'est un petit peu, c'est son caractère, c'est de faire flipper un petit peu les catcheurs et tout ça, voilà. Et franchement je trouve qu'elle a du flow quoi, enfin, elle dégage quelque chose que des divas n'ont pas forcément osé faire à la AEW quoi. Donc, je sais pas, si vous voulez découvrir Abaddon, c'est A-B-A-D-O-N. N'hésitez pas, vous aurez un aperçu. Et je vais vous dire dans un instant le nombre de victoires qu'elle a eu, Abaddon. Alors, Abaddon, on va aller chez les filles, c'est les premières lettres en plus, ça tombe bien. Et ben, elle a deux défaites contre 22 victoires. Et cette année, elle a 16 victoires contre une défaite. Donc, globalement, elle a perdu deux fois. Et cette année, elle a perdu qu'une seule fois, elle a eu 16 victoires. Elle a l'air d'être très très calée, je pense qu'elle va bientôt la mettre dans la roster principale, elle est très très forte. Et ben, que du love à elle, hein. On espère qu'elle va réussir loin au catch quoi. Donc voilà les trois divas et catcheurs de la semaine, la semaine prochaine il y en aura trois, enfin la prochaine fois il y en aura trois autres. De mon côté je vous en présenterai trois autres. Et je vous mets d'ailleurs les amis, j'ai un lien à vous faire passer. On parlait lors de l'émission catch de la Fédération Française de Catch Professionnel. Eh bien écoutez les amis, je vais vous passer un lien. Et ce lien en fait c'est pour voir le site de la Fédération française de catch professionnel pour ceux que ça intéresse. Avec mon frère on a prévu d'y aller prochainement, faire un petit tour quand on aura du temps de libre. Hop, je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller regarder ça. Vous avez le rooster un petit peu des catcheurs, vous avez Tom LaRuffa qui est la vedette principale évidemment. Vous avez également le champion du monde Chris Rabber. La championne Amal qui a fait des interviews en France, elle m'a fait pas mal déjà. Amal, elle est très connue. Amal qui est la championne de des divas françaises et qui travaille un petit peu avec la NXT UK de temps en temps. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller soutenir la France pour le catch parce que c'est pas assez connu au monde et que c'est vraiment intéressant. Voilà, j'ai fini pour l'info catch de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller regarder toutes les infos que je vous ai dites. De votre côté, si ça vous intéresse. En tout cas, la prochaine fois, on en fera un autre avec Raw et SmackDown. Et puis, on fera aussi la Dynamite et Rampage et 2-3 infos par-ci par-là. Voilà, il y a beaucoup de choses cette semaine parce qu'il y a eu Crunchy Well cette semaine. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Mais au moins, on est fixé, tout est bon. Et bien, écoutez, moi, j'ai fini avec le catch. Donc, écoutez, je vais juste. Faire 3 minutes de pause, le temps de mettre le jeu Zelda et tout. On va partir sur du Zelda Ocarina of Time. On va partir sur du gameplay, les amis. Ça y est, le retour de Zelda Ocarina of Time. Et je vous rappelle, les amis, pour ceux qui savent pas, de mon œuvre d'amour de ma vie, et j'en parlerai. Ça c'est sûr. À un moment donné, John Moxley, d'un autre nom à la WWE, je parlerai forcément de lui parce que tous les catcheurs que je connais bien et que je connais un peu, je vais les faire passer à un moment donné. Voilà. Donc du coup, je mets une pause de 4-5 minutes le temps de changer mon overlay et puis on se retrouve sur Zelda Ocarina of Time. Le retour du gameplay sur le jeu. Enfin le retour de Zelda, ça fait plaisir. Voilà, et n'hésitez pas du coup à faire les commandes Discord, si c'était pas sur Discord, les commandes... Ah oui, j'ai une commande à vous faire avant de prendre la pause, les amis. C'est la commande de Jeux en Vrac. Votez pour les Jeux en Vrac qui vont arriver. Parce que dans 2 semaines, je vais commencer l'émission Jeux en Vrac. Et donc, du coup, n'hésitez pas choisir les jeux que vous voudrez voir. Il y a Pokémon Unite. Il y a du Apex. Il y a
Du Nintendogs, d'ailleurs Nintendogs je l'ai à côté de moi là, je l'ai. Voilà, il y a du Nintendogs, il y a. Il y a quoi, bah, y a quoi d'autre? Il y a pas mal de jeux, n'hésitez pas à les voter. Et puis on fera. Déjà voté, ah bah nice, n'hésitez pas à les voter en tout cas. Bah, écoutez les amis, on va retourner sur la scène principale. Et comme je vous disais, j'essaierai de faire un best-of prochainement. Et je préviens, celui. Là, il est à moi. Mais oui, il est à toi, ma chère fleur. De toute façon, je te l'ai réservé. En VIP, incroyable. Voilà. Les amis, on va aller sur la pause. Je vous retrouve dans 5, maximum 5 minutes, le temps de mettre l'Overlay Zelda. Et puis on part sur Zelda Ocarina of Time. On continue la suite de On s'est laissé parce que je sais plus où on en était où. Et ça va être trop marrant. Je crois qu'on devait faire le temple de l'eau, mais je suis pas sûr. Allez, à de suite. Si je crois que c'est ça, c'est le temple de l'eau qu'on devait se faire. Donc on va aller sur le temple de l'eau et puis bonne pause à vous. Je vous retrouve dans même pas 5 minutes. Cette fois, ça allait être plus vite que tout à l'heure. À de suite. Je mets OST, évidemment.